Bonjour à tous les pirates et bienvenue dans cette longue vidéo récap du contenu de Sea of Thieves en ce début 2023. On va tenter de faire le tour de toutes les possibilités que le jeu vous offre aujourd'hui en partant des bases du jeu jusqu'aux derniers ajouts de 2022. Alors prenez votre grog avec vous, c'est parti! Petit rappel pour commencer, Sea of Thieves est un jeu multijoueur et coopératif mêlant à la fois le PvE et le PvP. Vous pouvez jouer solo, à 2, 3 ou 4 joueurs en coop. Vous serez plongé dans un univers de piraterie et votre navire deviendra votre nouvelle maison. Il n'y a pas vraiment de but final à atteindre dans ce jeu. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, chaque partie est différente de la précédente avec à chaque fois son lot d'aventures épiques et mémorables. Mais alors justement, à quoi ressemble le monde de Sea of Thieves ? Donc la map est relativement grande, elle est divisée en 4 grandes régions qui ont chacune leur atmosphère. Donc on retrouve les Wilds, c'est situé dans la partie nord de la map. C'est une région assez triste, où il fait souvent gris. The Ocean Isle, située au sud, une région plutôt agréable avec de grandes îles à visiter. Le Devil Roar, situé à l'est, c'est une zone assez hostile car remplie de volcans qui peuvent entrer en éruption et couler votre bateau. Ajoutez à cela des tremblements de terre et des geysers sur les îles, et vous avez le combo parfait de la région peu accueillante. Et enfin, les Shore of Plenty, situé à l'ouest, c'est la région la plus paradisiaque de Sea of Thieves, avec de petites îles au sable blanc et l'horizon dégagé. Donc chaque région possède plusieurs types d'îles que l'on peut différencier. On retrouve les îles sauvages, peuplées d'animaux ou de monstres tels que des squelettes. C'est là que vous serez envoyé pour réaliser vos quêtes. Les forts squelettes, des îles fortifiées défendues par des squelettes. Les forteresses mexicaines, des îles fortifiées défendues par des fantômes. Les sea posts, de petits îlots permettant de vendre des poissons ou de la viande. Et enfin les avant-postes, ce sont des îles où la vie humaine s'est développée. C'est ici que vous préparerez votre bateau pour partir à l'aventure. Il y a également beaucoup de magasins afin que vous puissiez personnaliser votre navire et votre bateau. La map n'est cependant pas infinie. Si vous atteignez les limites de la carte, vous arriverez dans le Devil Shroud, encore appelé la mer rouge. Si vous y restez trop longtemps, des trous apparaîtront dans la coque de votre bateau et il commencera à prendre l'eau rapidement. Vous finirez par couler si vous ne faites pas demi-tour. Restez donc bien dans les limites de la carte. Le monde de Sea of Thieves est un monde vivant abritant des animaux sur les îles ou dans les mers, ainsi qu'un bestiaire pas très amical composé de squelettes, de fantômes, de monstres marins appelés crabiers, ou encore de sirènes. Sea of Thieves étant un jeu multijoueur, vous croiserez des joueurs au fil de vos aventures. Un serveur peut contenir jusqu'à 5 bateaux joueurs, avec une limite de 16 joueurs maximum. Vous pouvez dialoguer avec les autres joueurs, soit via le chat vocal du jeu si vous avez un micro, soit par écrit dans le chat textuel, ou encore via une roue d'expression avec des messages prédéfinis. Ces messages changent en fonction de l'objet que vous avez en main, ce qui est plutôt pratique. L'aspect social est bien développé dans Sea of Thieves et beaucoup d'actions peuvent être réalisées à plusieurs. Par exemple, vous pouvez jouer de la musique avec d'autres joueurs, trinquer avec eux avec un grog à la taverne, ou encore s'amuser avec tout un tas d'emotes. L'une d'elles, appelée Devenir Ami, ajoute même un joueur faisant la même emote que vous dans votre liste d'amis Xbox. Plutôt bien pensé. Alors on va parler maintenant un peu de votre pirate. Donc pour que ce soit plus simple, on va partir du principe que vous n'avez jamais lancé le jeu. La première chose à faire sera donc de choisir l'apparence de votre pirate. Il n'y a pas de système de création poussé de A à Z dans Sea of Thieves. Vous pouvez choisir votre pirate parmi des skins générés aléatoirement. Si dans les premiers pirates qui vous sont proposés aucun ne vous plaît, vous pouvez rafraîchir la sélection indéfiniment, jusqu'à ce que vous en trouviez un qui vous convienne. Rassurez-vous tout de même, depuis quelques temps, ce choix n'est pas définitif et vous pourrez changer de skin en jeu autant de fois que vous le souhaitez. On verra comment faire un peu plus tard. Une fois votre pirate sélectionné, vous êtes paré pour partir sur les mers. Quand vous lancez le jeu, vous arrivez dans un menu principal. Et dans ce menu, vous avez différentes possibilités. Soit partir directement en mode aventure, qui est le mode de jeu principal de Sea of Thieves, soit partir dans un mode tutoriel appelé Voyage Inaugural. Si vous n'avez jamais joué au jeu, je vous conseille de passer par ce tutoriel, qui est très bien fait et qui vous apprendra les bases du jeu en moins d'une heure. Une fois le tuto passé, vous pouvez vous lancer dans le mode aventure de Sea of Thieves. Quand vous lancez une partie sur Sea of Thieves, vous arriverez dans une taverne d'un des avant-postes du jeu. C'est ici que vous allez pouvoir choisir vos quêtes et vous préparer à lever l'ancre. Sur tous les avant-postes, vous retrouverez les représentants des 3 sociétés principales de Sea of Thieves. Les marchands, sur les quais, collectionneurs d'or sous une tente sur la plage, et l'ordre des âmes, dans un bâtiment avec des rideaux. Les sociétés sont des factions auprès desquelles vous pourrez acheter des quêtes, et surtout, vendre vos coffres et autres loot. Il existe 3 grandes catégories de loot sur Sea of Thieves. Les coffres de pièces d'or, des crânes de squelettes, et des caisses de marchandises. Pour faire simple, les coffres de pièces d'or se vendent aux collectionneurs d'or, les crânes se vendent à l'ordre des âmes, et les caisses de marchandises aux marchands. Vous ne pouvez donc pas vendre un crâne aux marchands par exemple. Il existe d'autres sociétés, donc d'autres factions qui ont été ajoutées au fil des mises à jour. L'appel du chasseur, cette société ne possède pas de bâtiment sur les avant-postes,
Vous trouverez le représentant sur les différents 6 postes des maires de Sea of Thieves. Gagnerez de l'or et de la réputation dans cette faction en vendant des poissons ou de la viande. Les eaux de la faucheuse. C'est une société un peu à part que nous présenterons plus en détail un peu plus tard. Sachez pour l'instant que vous retrouverez une table avec un squelette suspendu au-dessus d'elle sur chaque avant-poste. Mais ce n'est pas ici que vous pourrez vendre vos trésors. Pour cela, il faudra vous rendre sur l'île du Reaper Hideout. La toute dernière saison 8 de Sea of Thieves a également ajouté deux nouvelles factions. Les serviteurs de la flamme et les gardiens de la fortune. Ces factions ne concernent que le PVP et sont directement liées aux factions des eaux de la faucheuse et de la fortune d'Athéna. A force de vendre vos loots aux différentes sociétés, vous gagnerez de l'or, mais vous gagnerez également des niveaux appelés réputation dans chacune d'entre elles. Plus vous montez de niveau et plus vous aurez accès à des quêtes qui rapportent plus d'or. Niveau 25, vous débloquerez aussi des nouvelles quêtes plus intéressantes. Votre objectif quand vous débutez le jeu est d'atteindre le statut de pirate légende. Vous obtiendrez ce grade en atteignant le niveau 50 dans 3 sociétés différentes, peu importe lesquelles. Le statut de pirate légende vous donnera accès à une zone secrète dans la taverne de chaque avant-poste. Cela vous donnera aussi accès à une nouvelle société, la Fortune d'Athéna, représentée par le PNJ appelé le Seigneur de la Piraterie. Et on développera cette société un peu plus tard. Vous pouvez à tout moment suivre votre progression de réputation dans les différentes sociétés en allant dans le menu Réputation. Monter de niveau de réputation dans les différentes sociétés vous permet également de débloquer des éléments cosmétiques pour équiper votre pirate ou votre navire. Car oui, au début, vous n'avez pas grand chose à vous mettre sur le dos. Mais plus vous gagnerez d'or et ou de réputation, et plus vous aurez accès à différents éléments de personnalisation. Pantalons, vestes, chemises, robes, chaussures et même coiffures, jambes de bois, crochets ou tatouages. Voici quelques éléments que vous pourrez personnaliser sur votre pirate afin de lui donner un aspect unique. En vous baladant un peu sur les avant-postes, vous trouverez plusieurs boutiques. Le tailleur pourrait trouver tout un tas de vêtements. L'armurier, histoire de trouver une arme qui fera trembler vos ennemis. La charpentière, qui vous fabriquera de quoi personnaliser votre bateau. Le magasin de l'équipementier, qui vous permettra de choisir les différents objets de votre pirate, comme la longue vue, par exemple. Et enfin, la taverne, pour y boire un bon grog avant ou après vos aventures. Vous verrez que certains items sont grisés. Cela signifie que vous devrez accomplir quelque chose dans le jeu pour les débloquer et les acheter. Votre pirate possède déjà tous les objets nécessaires pour pouvoir partir à l'aventure. Vous les retrouverez directement dans votre inventaire. Vous pouvez également les sélectionner via une touche qui ouvre une roue de sélection. On y retrouve les objets suivants. La longue vue, permettant de surveiller l'horizon, indispensable pour tout pirate. La boussole, qui vous indiquera le cap à suivre pour vous diriger sur les mers. Le seau, donc si de l'eau commence à s'infiltrer sur votre bateau, vous devrez écoper pour éviter de couler. La pelle, pour déterrer ou enterrer des trésors. La canne à pêche, pour tenter d'attraper des spécimens rares. La montre pour surveiller l'heure, incroyable. La lanterne pour vous apporter un peu de lumière dans les endroits sombres. Un porte-voix qui permet de vous faire entendre par d'autres joueurs qui seraient un peu trop loin. Vous pouvez également retourner le porte-voix pour, à l'inverse, chuchoter quelque chose à un pirate proche sans vous faire entendre des autres. Tous ces objets sont également personnalisables et vous pourrez acheter les skins différents chez l'équipementier. Chaque objet, vêtement ou arme que vous achèterez se retrouvera rangé dans un coffre spécifique. Vous pourrez retrouver ces coffres soit directement devant les boutiques, soit sur votre navire. Il vous suffira d'interagir avec ces coffres pour sélectionner et équiper votre tout dernier achat. Donc on a fait le tour des objets de l'inventaire, mais que serait un jeu de pirate sans armes? Car oui, dans Sea of Thieves, il existe 4 armes différentes, mais vous ne pouvez en transporter que 2 à la fois. Il faudra donc faire un choix en fonction de vos goûts. On retrouve l'épée, appelée aussi Kutla, le pistolet à silex, le tromblon, une sorte de fusée à pompe, et le sniper appelé arquebus à mire. Donc de base, votre pirate a sa barre de vie à 100%. Chaque arme inflige des dégâts différents et sont plus ou moins rapides. Donc l'épée inflige 25 points de dégâts par coup et peut enchaîner 3 coups très rapidement et ainsi infliger 75 points de dégâts. Une arme vraiment redoutable. L'épée possède également une attaque chargée qui inflige 75 points de dégâts d'un coup, mais qui a un cooldown plus important. Si vous avez en face de vous un autre joueur à l'épée, vous pouvez parer ses coups en utilisant votre clic droit. Le pistolet est l'arme à feu qui recharge le plus rapidement. Une balle inflige 50 points de dégâts. Le tromblon tire 10 petits projectiles qui infligent 10 points de dégâts chacun. La dispersion est assez importante, donc plus vous serez loin de la cible, moins vous ferez de dégâts. À bout portant, il est possible d'infliger 100 points de dégâts et donc de one-shot un pirate. Le sniper est l'arme la plus longue à recharger, mais c'est celle avec la plus longue portée. Une balle inflige 75 points de dégâts, ça peut donc faire très mal à l'adversaire, surtout s'il n'est pas full life. A noter que chaque arme à feu dispose de 5 balles dans son chargeur. Donc pensez à bien recharger votre arme. Vous trouverez une boîte de munitions sur votre bateau ou sur les îles. Il existe également des boîtes de munitions transportables, ce qui peut être pratique selon les situations. Voilà pour la présentation des armes. Le mieux est d'essayer plusieurs combos afin de trouver celui qui vous convient le mieux.
Personnellement, j'utilise le tromblon et le sniper, l'un pour pouvoir faire beaucoup de dégâts au corps à corps et l'autre pour sa portée. Comme pour les objets, il existe tout un tas de skins pour les armes, vous pourrez donc en acheter chez l'armurier. Si vous voulez changer d'arme ou de skin d'arme, vous devrez ouvrir la boîte d'arsenal. Il y en a une devant l'armurier et une sur votre bateau. Allez, je sais que vous attendez ça avec impatience, alors n'attendons pas plus longtemps. On a déjà fait un petit tour sur votre pirate et sur les avant-postes, il est maintenant temps de parler un peu du navire. Donc dans Sea of Thieves, il existe 3 types de bateaux qui correspondent à la taille de votre équipage, et donc au nombre de joueurs. Il y a donc le sloop, bateau pour 1 à 2 joueurs, il possède un mât et un canon de chaque côté du pont. Le sloop est très maniable, mais c'est le plus lent des bateaux. Il possède 2 cales qui lui permet de résister un peu plus en cas d'attaque, car l'eau s'infiltrera moins par les trous au niveau de la cale supérieure. En deuxième, nous avons le brigantin, un bateau taillé pour 3 joueurs. Il possède 2 mâts ainsi que 2 canons de chaque côté du pont. Le brigantin a le meilleur compromis entre vitesse et maniabilité. La faiblesse principale du brigantin est son unique cale qui rend chaque tir de canon adverse dangereux, car l'eau s'infiltre très rapidement. Et enfin, on termine par le plus gros, le galion, le bateau à 4 joueurs. Il possède la plus grosse puissance de feu avec 4 canons de chaque côté du pont. Il a également 3 mâts. C'est le bateau le plus lent à manœuvrer, mais c'est le plus rapide quand il a le vent dans le dos. Le galion possède également 2 grandes cales, ce qui lui permet d'encaisser pas mal de dégâts avant de couler. Voilà pour les différentes caractéristiques des bateaux du jeu. Par contre, tous les bateaux ont plusieurs éléments en commun. Pour commencer, la barre, pour se diriger avec une boussole accrochée à côté, classique. Un cabestan, qui permet de jeter ou de remonter l'ancre. Des harpons situés à l'avant du bateau, ils permettent d'harponner des coffres flottant dans l'eau, des tonneaux ou même des pirates, amis ou ennemis. Les harpons sont également utiles en navigation pour effectuer des virages serrés autour de gros rochers par exemple. On retrouve aussi au niveau de chaque voile des poulies et des cordes afin d'orienter et de baisser ou de monter les voiles. Ça permet de soit d'accélérer, soit de s'arrêter. Au niveau des cales, on retrouve un tonneau plein d'eau que l'on peut re-remplir. Il y a aussi une carte du monde qui signale notre position afin de se repérer sur les mers. Une table de quête pour choisir votre prochaine aventure. Un petit coin cuisine cosy pour faire cuire de la viande ou du poisson. Et enfin, un lit ou une prison selon la taille du bateau permettant de mettre au fer vos marins à forte tête. Il y a également une chose à savoir sur les canons. Vous pouvez grimper dedans et ainsi vous propulser loin de votre bateau. On est d'accord, ce n'est pas du tout réaliste, mais c'est super fun et très pratique. Ça vous permettra de vous rendre sur des îles ou d'aborder des bateaux ennemis à distance. Sur chaque bateau, vous retrouverez également plusieurs tonneaux de stockage des ressources, que nous allons détailler maintenant. Donc avant de partir en mer, vous aurez besoin de faire le plein de ressources sur votre navire. Les objets sont multiples et ont différents usages. En fouillant les tonneaux des avant-postes, vous trouverez des planches, des fruits ou des boulets de différents types. Tous ces objets peuvent donc se ranger dans les tonneaux de votre bateau, prévus pour les accueillir. Voici ce que vous trouverez. On va commencer par les planches. Les planches vont vous servir à réparer votre navire en cas de pépin. Dès qu'un trou apparaîtra dans la coque, l'eau commencera à s'infiltrer, et si vous n'intervenez pas, votre bateau coulera. Munissez-vous donc d'une planche pour colmater la brèche. Cela vous prendra quelques secondes. Si vous voyez de l'eau dans la cale, attrapez votre seau pour donner un petit coup d'écopage. Votre bateau sera alors comme neuf. Vous vous rendrez vite compte que la coque n'est pas le seul élément destructible de votre navire. Votre cabestan, votre barre et vos mâts peuvent aussi subir des dégâts. Réparez-les vite avant qu'ils ne soient inutilisables. Vous pouvez transporter 5 planches maximum sur vous. Ensuite, vous trouverez des fruits. Il existe plusieurs types de fruits qui, quand vous les mangez, vous permettent de récupérer plus ou moins de vie. Dans l'ordre, nous avons les bananes, qui redonnent 20 PV, les noix de coco, qui redonnent 30 PV, les grenades, qui redonnent 40 PV, les mangues redonnent 50 PV, et enfin les ananas redonnent 100 PV. Et il est mangeable en 2 fois, donc il a un potentiel de 200 PV. Plus un fruit redonne de la vie, plus il est difficile à trouver. Ne mangez donc pas un ananas si votre barre de vie est remplie à 90% par exemple. Ce serait un peu gâché. Vous trouverez aussi des appâts. Vous pouvez trouver 3 types d'appâts différents. Les vers, les sangsues et les larves. Ils vous serviront pour pêcher certains types de poissons, mais on y reviendra plus tard quand nous parlerons de la pêche. Et enfin, on va parler des boulets. On finit par le plus intéressant. Il en existe plusieurs types que nous allons détailler maintenant. Donc on retrouve les boulets classiques, un beau boulet comme on a l'habitude d'en voir. Il fait des trous dans la coque adverse ou abîme les mâts ou la barre également. Il inflige également des dégâts sur les joueurs lors de l'impact s'ils sont à proximité. N'hésitez pas à viser le pont adverse si des pirates sont dessus, ça peut leur faire très mal, voire les tuer. Dans le jargon de Sea of Thieves, mourir par un boulet de canon se nomme se faire boulet bouche. L'image parle d'elle-même. Ensuite viennent les boulets de feu. Et oui, on peut mettre le feu à un bateau adverse dans Sea of Thieves. Il suffit de charger un boulet de feu dans votre canon et de tirer. Le feu se propagera doucement sur le bateau si l'équipage ne l'éteint pas.
Au bout d'un moment, le feu peut également faire des trous dans la coque du bateau. Il faut donc penser à l'éteindre avant que ça ne soit trop problématique. Les pirates peuvent également prendre feu, ce qui leur fait perdre des points de vie assez lentement, mais suffisamment longtemps pour que ce soit handicapant. Pensez donc à vous jeter un seau d'eau sur vous-même ou sur un coéquipier si vous êtes en feu. Pour cela, il suffit de prendre le seau, un peu d'eau dedans et faire clic droit. Si un bateau est proche de vous, vous pouvez également lancer un boulet de feu à la main. Le résultat sera le même, le boulet explosera à l'impact, ce qui mettra le feu chez l'adversaire. Le troisième type de boulet qui va un petit peu avec le boulet de feu, ce sont les boulets du chaos. Donc ces boulets peuvent également être soit tirés au canon, soit être jetés à la main. À l'impact, le boulet explose et envoie plein de petits projectiles, un peu comme une grenade à fragmentation. Il est donc très utile au corps à corps, en complément des deux armes principales. Il est également très efficace en bataille navale, car non seulement il peut faire des dégâts aux joueurs, mais il va également faire une sorte d'onde de choc qui va désorienter et faire pivoter le navire adverse. C'est donc très utile pour ne plus être face au canon ennemi par exemple. De plus, quand un joueur adverse est en train de réparer, l'onde de choc va lui faire stopper son action, ce qui fait perdre du temps et donc vous donne un avantage. En revanche, ces boulets ne feront aucun trou dans la coque et aucun dégât sur les mâts ou la barre. Il s'agit d'un complément aux boulets classiques, comme pour les boulets de feu. Et enfin, on va parler des boulets qui font la différence en combat, mes préférés, les boulets chaînés. Pas besoin de passer beaucoup de temps à expliquer ce qu'ils font, ils servent à faire tomber les mâts des bateaux ennemis. Un boulet chaîné fait tomber un mât, sauf le mât du sloop où il faut en compter deux, par souci d'équilibrage. Dans le détail, un boulet classique fera un impact sur un mât adverse. Il faut 3 boulets classiques pour faire tomber un mât, là où un seul boulet chaîné suffit. Pour le sloop, un boulet chaîné fera l'équivalent de 2 boulets classiques. On peut donc finir de casser le mât soit avec un autre boulet chaîné, soit avec un classique. Il faut savoir aussi que les boulets chaînés sont un peu plus lourds que les autres boulets. Il faudra donc viser un peu plus haut pour envoyer un boulet chaîné au même endroit que les autres. Faire tomber les mâts adverses est très stratégique car cela immobilise le bateau. Si votre mât est tombé, vous pouvez le remonter en utilisant les cordages servant d'habitude à lever ou baisser les voiles. Une fois votre mât remonté, réparez-le avec une planche avant de rebaisser les voiles. Car si vous rebaissez les voiles sans le réparer, votre mât retombera. Si vous avez le temps, refixez-le avec 3 planches, ce sera plus sécurisant. Voilà pour les boulets. C'est maintenant à vous de les essayer pour voir comment et quand les utiliser. Mais revenons un petit peu en arrière sur les avant-postes. Avant de lever l'ancre, vous pouvez acheter quelques caisses contenant des ressources afin d'être sûr de ne manquer de rien. Il vaut mieux partir avec trop de ressources que pas assez. Ça se passe chez la société des marchands. En parlant aux représentants de la société, vous aurez accès à 4 caisses achetables une fois chacune sur cet avant-poste. Donc vous pourrez acheter une caisse de bois contenant 50 planches, une caisse de boulets contenant 50 boulets, une caisse de fruits contenant 50 bananes, et une caisse de stockage qui est vide mais vous permet de stocker n'importe quel type de ressources à l'intérieur. Ce n'est pas le cas pour les autres caisses. La caisse de boulets n'accepte que les boulets classiques par exemple. Avec la caisse de stockage, vous pouvez directement transférer le contenu des tonneaux que vous croisez dans cette caisse et inversement, directement vider le contenu de cette caisse dans les tonneaux de votre bateau. Très pratique, et ça fait gagner un temps fou. Il faudra attendre quelques jours dans le jeu avant que les caisses soient à nouveau disponibles dans l'avant-poste où vous les avez achetées. Par contre, vous pouvez en acheter d'autres dans un autre avant-poste. On a donc vu qu'il y avait 4 types de boulets. C'est déjà pas mal, non? Mais il y en a encore d'autres. Ils sont un peu plus difficiles à trouver, mais ils peuvent faire de grosses différences pendant les combats. Ce sont les boulets maudits. Vous les reconnaîtrez facilement. Ils sont soit de couleur verte, soit violette. Il existe 11 types de boulets maudits différents. Ils auront chacun leur effet propre quand ils toucheront leur cible. Les boulets maudits verts auront des effets sur les joueurs ou les ennemis, tandis que les violets ont un effet directement sur les bateaux adverses. Ces effets ne durent que quelques secondes, mais sont très handicapants. Donc voici la liste. Commençons par les boulets verts. Donc il y a le boulet du poison. Donc à l'impact, ce boulet empoisonne les adversaires leur faisant perdre de la vie, un petit peu comme quand on est touché par le feu. Le boulet claudiquant. Alors ça va vous faire boiter les joueurs, les empêchant de sauter. Et ça va aussi les faire boitiller, donc les ralentir. Impossible de courir. Le boulet de grog, alors celui-là il rend les adversaires complètement ivres, donc ça les désoriente, ça peut les faire vomir aussi, et ça rend trouble leur écran. Le boulet dansant, donc ça fait danser sur place les adversaires, ce qui leur fait perdre du temps et ils ne peuvent plus contrôler leur personnage. Et enfin le boulet de torpeur, donc c'est un peu comme le boulet dansant, et il fait dormir l'adversaire, ce qui fait perdre du temps aussi, et ça dure pareil 3 à 5 secondes. Voilà pour les boulets verts, et maintenant les boulets violets. Donc il existe le boulet du cabestan, ça fait tomber l'ancre d'un bateau adverse, donc c'est très efficace contre les galions, où remonter l'ancre prend énormément de temps. Le boulet d'affalage, donc lui il remonte les voiles des navires adverses, les faisant ralentir, voire arrêter. Le boulet du dépouilleur, alors celui-ci, il va rendre inaccessibles les tonneaux de ressources du navire adverse,
pendant quelques secondes. Il peut être un peu handicapant, mais un peu moins maintenant, car comme il existe les caisses de stockage, etc., vous pouvez toujours trouver des ressources à votre bateau pour vous en sortir. Le boulet de paix, alors celui-ci, c'est très pratique contre tout type de bateau, parce qu'en fait, il va monter les canons adverses vers le haut. Ça rend tout tir adverse impossible. C'est une bonne manière de gagner du temps si vous êtes un petit peu sous le feu des canons adverses. Le boulet de gouvernail, comme son nom l'indique, va bloquer la barre du bateau qui est touché, donc impossible de diriger son bateau pendant quelques secondes. Et enfin, on termine avec le boulet de l'Est, très très efficace contre les galions notamment, car le boulet de l'Est va vraiment, comme son nom l'indique, enfoncer le bateau qui est touché un peu plus profondément dans l'eau, et donc potentiellement l'eau va s'infiltrer plus vite, et il va couler plus vite. Ça peut vraiment être le coup de grâce si vous utilisez le boulet de l'Est alors qu'il y a déjà plein de trous dans un galion par exemple. Donc tous ces boulets sont très précieux et peuvent vraiment vous donner l'avantage quand ils sont bien utilisés. A vous de voir et d'essayer tout ça. Si jamais votre bateau coule, et ça arrivera souvent vous verrez, déjà, dites-vous que ce n'est pas très grave. Ça arrive à tout le monde coule dans Sea of Thieves. Vous retrouverez un bateau flambant neuf directement sur une île ou sur un avant-poste assez proche. Si vous avez des coffres à bord de votre navire, ceux-ci flotteront à la surface pendant quelques minutes. Vous pouvez donc tenter de les récupérer avant qu'ils ne se mettent à couler. Mais de manière générale, un coffre n'est à vous qu'une fois vendu. Avant ça, tout peut arriver. Maintenant, vous connaissez les avant-postes, vous connaissez votre pirate, vous connaissez les ressources de votre bateau, on va pouvoir enfin partir à la chasse au trésor. Car nous sommes dans un jeu de pirates, et qui dit pirate dit coffre, trésor et pièces d'or. De ce côté, vous allez être servi. Il existe beaucoup de trésors différents qui valent plus ou moins d'or. Il existe d'ailleurs plusieurs monnaies dans Sea of Thieves. On retrouve les pièces d'or, que vous gagnerez en vendant vos loot, et les doublons, ce sont des pièces bleues, que vous gagnerez en vendant des items un peu plus spéciaux. Les doublons permettent d'acheter des quêtes un peu plus spéciales, mais de manière générale, ils ne servent pas à grand chose. Vous aurez plus besoin de pièces d'or que de doublons. Vous pouvez d'ailleurs même convertir vos doublons en pièces d'or si vous en manquez. Donc pour commencer, il vous faudra acheter des quêtes auprès des trois sociétés principales. Collectionneur d'or, l'ordre des âmes et les marchands. Il vous suffit d'aller leur parler et de sélectionner la quête que vous souhaitez. Les premières quêtes sont gratuites. Ça tombe bien, vous n'avez pas d'argent au début du jeu. Les quêtes sont différentes d'une société à l'autre. Les collectionneurs d'or vous feront partir à la chasse au trésor en vous donnant une carte d'une île avec l'emplacement des coffres à déterrer avec votre pelle. Vous devrez donc reconnaître cette île sur la carte et vous y rendre. L'ordre des âmes vous enverra défier les capitaines squelettes accompagnés de leurs soldats. Ce sont les crânes de ces capitaines que vous devrez récupérer et donner à l'ordre des âmes contre quelques pièces d'or. Et enfin les marchands vous demanderont de réaliser des expéditions d'animaux ou de caisses de marchandises. Une fois votre quête achetée, il faudra vous rendre sur votre bateau, sur la table des quêtes et voter avec votre équipage pour la valider. En accomplissant ces différentes quêtes, vous accumulerez de l'or et vous grimperez également en réputation chez les différentes sociétés. Au niveau 25, les trois sociétés vous offriront chacune un nouveau type de quête. Les collectionneurs d'or vous proposeront des quêtes de cash. Le principe est le suivant. Vous devrez suivre une boussole magique à la recherche d'indices pour retrouver une clé. Cette clé ouvre une caverne dans laquelle sont enfermés plein de coffres. Mais dès que vous entrerez, le temps sera compté et la porte se refermera lentement. A vous de récupérer le plus de coffres possible. Vous verrez aussi qu'il y a une sorte d'hôtel avec 3 emplacements pour 3 médaillons. Essayez de les trouver rapidement pour déverrouiller une autre porte derrière laquelle un coffre d'une plus grande valeur encore se cache. Il s'agit du coffre des anciennes tribus. Concernant les marchands, ceux-ci vous enverront sur la piste d'un navire marchand qui a sombré avec toute sa cargaison. Il vous faudra donc le retrouver en suivant son parcours sur les mers. Il y a surtout deux choses à trouver dans cette quête. Le manifeste du bateau qui a coulé, que vous devez rapporter au marchand, et la clé de la cabine du capitaine qui se trouve sur la route empruntée par le bateau. Si vous trouvez la clé, vous aurez ainsi accès à la cabine du capitaine et à plus de récompenses. Enfin, l'ordre des âmes vous permettra d'affronter une flotte de vaisseaux fantômes qui tirent des boulets fantomatiques. Ils peuvent faire très mal, donc attention à votre bateau. Une fois le bateau fantôme capitaine coulé, vous récupérez un crâne de capitaine fantôme à vendre à l'ordre des âmes. Vous pouvez également récupérer une caisse contenant ces fameux boulets fantomatiques que vous pourrez à votre tour utiliser contre vos adversaires. Allez, il est grand temps de se lancer dans le bain maintenant, nous allons prendre la mer! Quand vous arrivez sur un serveur, votre bateau vous attend au bout du quai. Ses voiles et son ancre sont relevées. La première chose à faire est donc de remonter l'ancre à l'aide du cabestan et d'abaisser les voiles à l'aide des cordages et vous êtes parti. Remonter l'ancre sera plus ou moins long si vous êtes en sloop, en brigantin ou en galion. Et plus vous êtes nombreux à la remonter, plus vite ça ira, d'où l'intérêt d'être vraiment bien coordonné avec son équipage. Si vous regardez vers le ciel, vous verrez des traces blanches qui vont vers une direction. Il s'agit du sens du vent. Vous pouvez donc saisir les poulies à côté des cordages des voiles afin de les orienter pour les mettre dans le vent, et ainsi vous déplacer plus rapidement. Il y a 2 poulies par voile de chaque côté du pont. Encore une fois, travailler à plusieurs vous fera orienter les voiles plus vite. Surveillez régulièrement le sens du vent, car celui-ci peut tourner assez vite. Il vous faudra donc constamment ajuster vos voiles pour maintenir votre allure. Ça peut être déterminant si vous voulez fuir ou rattraper un adversaire. Les erreurs de navigation se payent très cher souvent.
Un petit conseil au passage, si vous avez le vent de face, mettez les voiles droites. C'est comme ceci que vous irez le plus vite. Mais que se passe-t-il si vous passez par-dessus bord? Comment rejoindre votre bateau? Eh bien, quand votre bateau s'éloigne un peu trop de vous, une sirène avec un fumigène bleu surgira hors de l'eau. Il vous suffira de nager vers elle et d'interagir avec pour vous retrouver directement sur votre bateau. Pratique! Idem si vous allez sur une île mais que votre bateau s'éloigne, une sirène arrivera près de vous pour vous permettre de rejoindre votre bateau. Quand vous voudrez vous arrêter à proximité d'une île par exemple, il sera tentant de simplement jeter l'ancre. Évitez de faire ça car c'est effectivement rapide à jeter mais beaucoup plus long à remonter, ce qui peut être assez problématique en cas d'attaque surprise d'un adversaire. Le mieux pour vous arrêter est donc de remonter les voiles, mais pas au dernier moment sinon ça peut être un peu la catastrophe, car si vous devez repartir plus vite, baissez les voiles et ce qu'il y a de plus rapide. De plus avec l'ancre posée, vous ne pouvez pas tourner votre bateau, mais vous pouvez le faire avec les voiles relevées. Voilà pour les petits conseils de navigation, essayez de toujours être bien coordonné avec votre équipage et ça devrait bien se passer. Alors récapitulons, vous savez tirer, vous savez naviguer, vous avez une quête en cours, c'est parfait. Mais Sea of Thieves n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il pourra vous arriver quelques mésaventures en route, et je ne parle pas que des vrais joueurs. Il existe en effet quelques événements aléatoires qui peuvent spawner sur vous. Vous devrez alors vous défendre contre ces menaces ou votre navire coulera certainement. Donc alors, quelles sont ces menaces? Vous pourrez vous faire attaquer par un mégalodon, un immense requin qui vous tournera autour et vous foncera dessus, vous faisant pas mal de dégâts sur votre coque, et même à vous si vous êtes proche de lui. Vous pouvez également être propulsé par-dessus bord suite au choc. Méfiance donc. Mais si vous venez à bout du mégalodon, avec des canons ou avec des armes à feu, il vous donnera quelques coffres et viande de mégalodon. Toujours ça de gagner. Il existe plusieurs types de mégalodons de couleurs différentes et plus ou moins rares. Mais ils vous feront toujours à peu près les mêmes dégâts. La rareté est plus là pour les succès à déverrouiller dans le jeu. Le plus rare des mégalodons se nomme le Shudred Ghost. Vous ne pouvez pas le manquer, il est tout blanc. En presque 4 ans de jeu, je ne l'ai jamais vu, il est donc très rare. Ensuite, dans la liste des menaces, on retrouve aussi les bateaux squelettes. Ces bateaux surgissent de la mer, tels David Jones dans Pirates des Caraïbes. Vous pouvez soit faire face à un sloop squelette, soit à un galion. Je vous conseille de vite les canonner car ils peuvent faire assez mal. Ils peuvent aussi envoyer des boulets maudits qui peuvent vite vous embêter. Sachez que ça ne sert à rien de viser les mâts des navires squelettes, car ils ne peuvent pas être détruits. Donc n'essayez pas non plus les boulets chaînés, ça ne sert à rien. Les squelettes à bord vont réparer les trous dans la coque, mais ne vont pas écoper l'eau. Si vous réussissez à les aborder pour les empêcher de réparer, cela peut vite les faire couler. Les bateaux squelettes donnent également du loot une fois coulés. C'est toujours bon à prendre. Et enfin, la dernière menace qui peut surgir à n'importe quel moment, c'est le Kraken, le fameux. Quand il vous attaque, l'eau autour de votre bateau deviendra noire et votre bateau sera énormément ralenti. Les tentacules surgiront de l'eau et pourront vous attaquer de plusieurs manières. Premièrement, elles peuvent faire un coup sur le bateau, faisant quelques trous au passage. Elles peuvent agripper votre bateau et ainsi vous bloquer l'accès à une de ses parties. Pour la faire lâcher prise, vous devez lui porter des coups avec vos armes. Enfin, elles peuvent aussi vous aspirer jusqu'à elles, privant ainsi votre bateau d'un de ses membres. Vous êtes très handicapant s'il faut réparer ou écoper votre bateau. Si vous vous faites aspirer par une tentacule, soit elle vous plongera dans l'eau, vous infligeant quelques dégâts, soit elle vous propulsera au loin, vous forçant à nager pour rejoindre votre bateau. Votre équipage peut néanmoins vous aider en tirant sur la tentacule qui vous a agrippé. Avec un peu de chance, elle vous lâchera dans l'eau plus rapidement. Pour vous débarrasser du Kraken, vous devrez tirer sur les tentacules autour de vous. Le nombre de tentacules à vaincre pour éliminer le Kraken varie selon la taille de votre bateau. Un galion aura donc plus de mal à se débarrasser du Kraken qu'un sloop. Une autre manière de gagner est de sortir de la zone noire dans laquelle se trouve votre bateau. Pour cela, essayez d'orienter les voiles pour les mettre dans le vent pour aller le plus vite possible, même si l'eau noire vous ralentit beaucoup. Si tout va bien, vous sortirez petit à petit et une fois sur l'eau normale, vous serez sorti d'affaire. Le Kraken restera là un moment avant de replonger. Chaque tentacule vaincu vous rapportera un peu de loot ainsi que de la viande de Kraken, donc ça peut aussi valoir le coup. On commence à être pas trop mal là, mais il reste encore plein de choses à voir qui peuvent rapporter beaucoup de loot et qui sont souvent très contestées entre les joueurs. Il s'agit des World Events, ou événements du monde donc. Ces événements sont au nombre de 4, ils sont aléatoires et il ne peut y en avoir qu'un à la fois sur le serveur. Donc quand un World Event est actif sur le serveur, vous serez très vite au courant car il est visible depuis n'importe quelle partie de la map. Il se manifeste de manière différente selon le type d'event. Donc les voici. Premier, l'event fort actif. Donc si vous voyez un grand nuage gris-blanc en forme de crâne avec des yeux clignotants verts, il s'agit d'un événement de fort squelette actif. Vous vous souvenez de ces forts squelettes fortifiés dont nous avons parlé en début de vidéo? Eh bien, de temps en temps, ils peuvent s'activer. Cela signifie que des vagues de squelettes sont sur ce fort, prêts à défendre leur butin qui se trouve dans une salle des coffres. Quand vous vous approcherez de ce fort avec votre navire, celui-ci se défendra en vous tirant dessus avec ses canons. Et en général, il vise plutôt bien. Faites donc attention à votre bateau. Une fois sur le fort, vous devrez vaincre plusieurs vagues de squelettes. Au bout de quelques vagues, un boss final apparaîtra. Vous devrez le vaincre pour récupérer la clé de la salle du trésor. Vous verrez, ça paye vraiment bien. Au niveau loot, il y a un peu de tout, donc vous pourrez monter dans les différentes sociétés. Les World Events sont donc une autre manière de grimper en réputation et en or que de faire des quêtes. Ça permet de varier un peu les plaisirs.
En deuxième, on retrouve l'event Tornade Rouge. Donc, comme son nom l'indique, il s'agit d'une tornade rouge. Cet event apparaît sur les îles classiques. Ici, vous aurez à vaincre un nouvel ennemi appelé Ashen Lord, ou Seigneur des Cendres en français. Celui-ci a plusieurs patterns et attaques liées au feu. Il peut aussi invoquer des squelettes pour lui prêter main forte. Une fois vaincu, le boss droppera un crâne assez spécial. Il s'agit d'un crâne des vents cendrés. Vous pouvez soit le vendre pour beaucoup d'or, soit l'utiliser comme une arme, car c'est littéralement un lance-flamme qui peut être dévastateur sur un navire ennemi. A vous de choisir donc, mais sachez que l'utilisation en mode lance-flamme est limitée. Et plus vous l'utiliserez, moins cher le crâne sera revendu. En plus de ce crâne, vous trouverez aussi des coffres autour de la zone de combat. Ces coffres ont un aspect brûlé, ils sont appelés coffres cendrés. Les loots cendrés valent plus cher que ceux non cendrés. On les trouve principalement dans le Devil's Roar, une région qui rapporte plus donc, mais qui présente plus de risques avec ses volcans. Vous pouvez obtenir en général des coffres cendrés en réalisant des quêtes dans le Devil. On passe à la suite avec l'Event Bateau Squelette. Donc si vous voyez un nuage en forme de galion dans le ciel, c'est qu'un événement Bateau Squelette vous attend. Quand vous arriverez sous le nuage, des sloops ou des galions, ou les deux, surgiront de l'eau. Un peu comme quand vous vous faites attaquer par des bateaux squelettes sur les mers. Ici aussi, il y aura plusieurs vagues de bateaux avant de venir à bout de l'event. Essayez de récupérer le loot de chaque bateau squelette vaincu pour maximiser vos gains. Mais attention car vous vous ferez sûrement canonner par un autre bateau squelette en même temps. Donc c'est à vous de choisir entre l'or potentiel ou éliminer la menace. N'oubliez pas que si vous mettez trop de temps à récupérer les coffres, ils finiront par couler. D'ailleurs si jamais vous voyez des coffres en train de couler, n'hésitez pas à plonger sous l'eau pour les récupérer et les relâcher. Le fait de faire ça les fera remonter à la surface. Ça peut donc vous faire gagner un peu de temps. Par contre il arrivera un moment où le coffre sera vraiment trop profond et là c'est perdu. Enfin, le dernier World Event, le Fort de Fortune. Donc il est similaire à un fort squelette classique, il peut spawner sur les mêmes forts, mais le nuage le signalant est un crâne de couleur rouge, avec une sorte de grosse cicatrice sur le côté. Quand il apparaît, cet event émet également un son sourd que l'on peut entendre sur tout le serveur, histoire de prévenir que cet event est apparu. Il apparaît donc sur des forts squelettes, mais il sera plus dur car il aura plusieurs boss à vaincre et se termine par un Ashen Lord, comme l'event Tornade Rouge. Faites attention aussi à votre approche car ce fort se défendra beaucoup mieux contre votre bateau. C'est donc un fort qui se mérite, il est plus long, plus dur, mais il donne également beaucoup plus de loot. Et oui, car comme il est plus difficile, il offre aussi des meilleures récompenses. Et même un coffre des légendes et du loot Athéna. Voilà pourquoi il est si prisé. Voilà donc pour les 4 World Events, mais c'est pas tout à fait fini. Encore deux petites choses. Sachez que le Kraken est considéré comme un World Event, car il spawn quand aucun autre event n'est actif. Si vous ne voyez pas d'event actif à l'horizon, méfiez-vous du Kraken qui peut surgir à tout moment. Et donc j'ai dit un peu plus tôt qu'il y avait 4 World Events, ce qui est vrai si on oublie le Kraken, car ces 4 événements apparaissent de manière aléatoire sur le serveur. Mais en réalité, il en existe un cinquième qui lui n'apparaît pas de manière aléatoire, mais qui peut être activé par les joueurs quand ils le souhaitent. J'ai nommé le Fort des Damnés, ou FDD pour les intimes. Encore une fois, la présence d'un Fort des Damnés actif se manifestera par la présence d'un nuage en forme de tête de mort. Mais celui-ci est plus foncé et a des yeux rouges fixes. De plus, il apparaît toujours sur la même île, l'île du Fort des Damnés, située vers le milieu de la map. Comme pour les autres forts squelettes, vous devrez vaincre des vagues successives, puis le boss final pour ouvrir la porte de la salle des coffres et récupérer le loot. Mais alors du coup, comment on active ce fort? Vous devrez effectuer une sorte de rituel que nous allons voir en détail. Mais juste avant, c'est le moment idéal pour vous parler d'un aspect du jeu, la mort de votre pirate. Et oui! Qu'arrive-t-il à votre pirate quand il perd toute sa vie? Alors dans un premier temps, vous serez en quelque sorte inconscient pendant quelques secondes. À ce moment-là, vos coéquipiers peuvent encore vous réanimer, vous raise, pour que vous reveniez directement à vous-même avec un quart de votre vie. Mais si vos coéquipiers n'ont pas le temps de vous réanimer, vous serez envoyé sur le vaisseau des damnés. Tiens, 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 fort des damnés, vaisseau des damnés, il y a peut-être un petit lien là. Donc ce vaisseau fantôme semble naviguer dans un vide sans fin, sans décor et sans repère autour de vous. Sur le vaisseau, vous aurez une apparence fantomatique. Vous pouvez vous y balader librement et y rencontrer un nouveau personnage qui tient la barre, le passeur. Au bout de quelques instants, la porte de la cabine du capitaine s'ouvrira sur une sorte de portail. Quand vous le franchirez, vous retournerez directement à bord de votre bateau. Le temps d'ouverture de cette porte du capitaine dépend du bateau sur lequel vous êtes. Le temps de respawn est donc plus long sur un galion que sur un sloop. Le vaisseau des damnés est donc une sorte de passage vers l'au-delà, mais vous n'êtes pas encore prêt à y accéder. Vous êtes renvoyé parmi les mortels. C'est un peu comme ça qu'on peut le voir. Donc sur le vaisseau des damnés, vous pouvez aussi y croiser d'autres pirates du serveur qui ont également succombé. Cela peut être vos coéquipiers ou vos adversaires, ou même un équipage à l'autre bout de la map. Mais je vous rappelle qu'on parlait du fort des damnés. Et pour l'activer, vous devrez récupérer quelque chose sur ce vaisseau des damnés. Et même plusieurs choses. En effet, vous trouverez une lanterne sur le vaisseau des damnés, à peu près au milieu du pont.
Si vous sortez la vôtre, vous verrez que vous pouvez récupérer une flamme de la lanterne. Un peu comme si vous copiez cette flamme, comme si vous la récupériez. Et c'est là que ça devient intéressant. Car vous obtiendrez une flamme de couleur différente en fonction de la façon dont vous serez mort. Il existe au total 6 couleurs différentes, et il vous faudra les 6 pour activer le fort des damnés. Et oui, c'est sadique, vous devrez donc mourir 6 fois. Voici comment obtenir les différentes couleurs. Pour la lumière verte, il suffit de se faire tuer par un squelette ou par des fantômes. La couleur rouge, il faut mourir par le feu. Donc un petit boulet de feu suffit, en général. Pour récupérer la couleur violette, il faut mourir par l'effet du poison. Donc soit par le serpent, le kraken, ou même un boulet maudit empoisonné. La couleur rose se récupère en étant tué par un joueur adverse. Donc assez difficile à récupérer si on ne croise pas grand monde. La couleur bleue se récupère en étant tué par un requin ou un mégalodon. Et la couleur blanche se récupère en étant tué par la foudre, ou par un crabier électrique. Quand vous revenez du vaisseau des damnés avec une flamme de couleur, vous pouvez la stocker sur une des lanternes de votre bateau. A la fin, vous aurez donc toutes les couleurs sur votre bateau. Allons maintenant sur le fort des damnés et entrons dans le fort. Vous verrez qu'il y a également des lanternes allumées avec la bonne couleur, donc allumez-les toutes. Voilà pour la première étape, les lumières. Ça vous prendra un certain temps. Vous vous dites sûrement que c'est déjà pas mal de récupérer toutes ces lumières pour activer le fort. C'est vrai, mais c'est pas encore fini. Il nous reste une petite étape à faire pour activer le fort. Vous aurez besoin d'un crâne spécial, un crâne rituel. Rassurez-vous, il est facile de se le procurer, car vous pouvez en obtenir via une quête spéciale de crâne rituel auprès de l'Arina, une PNJ se trouvant à l'entrée de chaque taverne d'un avant-poste. C'est une des quêtes, par exemple, qui se paye avec des doublons. Vous ne pourrez par contre obtenir qu'une quête de crâne rituel par mois et par joueur. Une autre méthode pour avoir des crânes rituels est de couler des bateaux squelettes, ou de faire l'event bateau squelette si vous le voyez. Souvent, des crânes rituels se trouvent dans le loot qu'ils vous donnent. Une fois le crâne rituel entre vos mains, il ne vous reste plus qu'à le placer sur le corps du squelette en cage dans le fort des damnés pour activer ce fort. C'est à ce moment-là que le nuage en forme de tête de mort aux yeux rouges apparaîtra dans le ciel et que tout le serveur pourra le voir et venir contester le fort que vous aurez mis si longtemps à activer. Un fort des damnés vous donnera beaucoup de loot également, dont un coffre des légendes. La différence avec un fort de fortune est que sur le fort des damnés, on est quasi sûr de trouver des joueurs vu qu'il ne s'active que par des joueurs, tandis que les forts de fortune n'apparaissent que de façon aléatoire. Faites donc attention une fois que vous finissez le fort, car c'est souvent à ce moment-là que les adversaires se montrent, vous volez vos coffres et vous coulez. Et oui, c'est une technique comme une autre. Avant de refermer le chapitre sur les World Event, il faut tout de même parler des forts espagnols. On en a parlé en début de vidéo, ces forts sont défendus par des fantômes. Il en existe 6 sur la map et ils s'activent dès que vous vous approchez d'eux. Rassurez-vous, ces forts sont les plus faibles au niveau visée de canon, donc ils ne vous toucheront quasiment jamais. Ces forts sont idéales pour les débutants, histoire de voir un peu à quoi ressemble un fort, avant de passer sur un fort squelette par exemple. Une fois sur l'île, vous aurez plusieurs vagues de fantômes à combattre, avant de vaincre le boss final pour ainsi récupérer la clé de la salle du trésor. Ces forts espagnols sont très rapides à faire, mais ne donnent pas énormément de loot. Cependant, ces îlots sont riches en ressources et notamment en nourriture et boulets. C'est donc une destination intéressante en début de partie pour faire le plein de ressources et pour prendre quelques coffres au passage. Sachez également qu'une deuxième clé est cachée sur ce fort et ouvre une petite salle des coffres en haut de l'édifice. Vous devrez fouiller les placards, les coffres et autres étagères afin de trouver cette clé, si vous voulez du loot en plus. Ce fort est une vraie base militaire, avec des lits de camp, des cachots et même une grande salle avec une carte du monde, comme sur votre bateau, et une grande cuisine. Ici, vous pourrez cuire jusqu'à 4 viandes ou poissons en même temps, de quoi gagner pas mal de temps. Voilà donc pour ces petits forts espagnols, n'hésitez pas à vous y arrêter si vous passez à côté, ne serait-ce que pour les ressources. Et voilà pour les différents événements qui peuvent apparaître sur un serveur. Ils offrent beaucoup de loot si vous les réussissez, mais peuvent être lieu de rendez-vous avec d'autres joueurs, hostiles ou non. Et oui, tous les joueurs ne sont pas forcément hostiles dans Sea of Thieves. Vous pouvez tenter d'ouvrir le dialogue et décider de vous allier avec un équipage adverse. Il y a tout un système d'alliance dans Sea of Thieves. Il vous suffit de monter au nid de pie et de hisser votre drapeau d'alliance. Si le bateau adverse fait de même, vos deux équipages seront alors au sein d'une même alliance. Vous pouvez d'ailleurs faire une alliance avec tous les bateaux du serveur, si tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de limite de bateau dans une alliance. Quand vous serez dans une alliance, vous verrez en permanence la position des bateaux avec qui vous êtes sur la carte de votre navire. De plus, vous aurez un bonus d'or et de réputation lorsqu'un bateau de votre alliance vendra des loots. Ça fonctionne comme ça. Si un navire de votre alliance vend un coffre, il obtiendra 100% des pièces d'or et 100% de valeur de réputation comme habituellement. Par contre, votre équipage touchera 50% de la valeur du coffre et 50% de valeur de réputation liée à la vente. Donc c'est quand même un petit bonus sympa. Et évidemment, inversement, si c'est vous qui vendez des coffres, les autres équipages de votre alliance toucheront 50% de la valeur des coffres. Bon, on a déjà vu pas mal de choses là, et on va enchaîner avec un aspect du jeu un peu plus chill, la pêche. Et plus globalement, on va se pencher un peu plus sur la faction de l'appel du chasseur.
C'est la société que l'on retrouve sur les petits îlots appelés Sea Post. Pour progresser dans cette faction, vous devrez vendre non pas des coffres, mais de la viande ou des poissons, ou même du mégalodon ou du kraken. C'est pour ça que c'est intéressant de récupérer la viande de mégalodon ou de kraken quand on arrive à les vaincre. Et donc pour récupérer de la viande ou du poisson, vous pouvez en récupérer de plusieurs manières. Quand vous vous baladez sur une île, vous pourrez croiser différents animaux. Des cochons, des poules ou des serpents. De même, si vous nagez trop longtemps dans l'eau, vous attirerez des requins qui vous attaqueront. Tuez-les et vous récupérez de la viande de cochon, de poule, de serpent ou de requin. Et pour les poissons, quand vous êtes sur votre bateau ou à proximité d'un étang par exemple, vous pouvez sortir votre canne à pêche et tenter de voir si ça mord. Il existe plusieurs espèces de poissons à attraper et il y a plusieurs types de poissons par espèce. Il y a également trois appâts dans le jeu. Les vers, les sangsues et les larves, comme on a vu un peu plus tôt. Vous pouvez mettre un des trois appâts sur votre hameçon pour tenter d'attraper des poissons différents. Vous attraperez des espèces différentes également selon la région où vous vous trouvez. Mais aussi si vous êtes près d'un fort squelette, dans une tempête, près d'une épave, etc. Donc c'est un peu compliqué à expliquer comme ça. Donc, je vous mets un petit tableau récapitulatif sur lequel vous trouverez toutes ces infos. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous le souhaitez, et je vous mets aussi le lien de ce tableau en description. Alors, quand vous avez sorti votre canne à pêche, comment ça se passe? Concrètement, la pêche est assez bien faite dans ce jeu. Vous lancez votre ligne dans l'eau, et vous attendez que ça morde. Jusque là, rien de fou. Quand ce sera le cas, le poisson va commencer à se débattre en allant dans plusieurs directions. Haut, bas, gauche, droite. Vous devrez alors diriger votre canne dans la direction opposée à celle prise par le poisson. S'il va à gauche, mettez votre canne à droite. S'il va en haut, mettez-la en bas, etc. Cela va fatiguer le poisson et il s'arrêtera au bout d'un moment. C'est là qu'il faudra commencer à remonter votre ligne, jusqu'à ce que le poisson retente de s'échapper. Faites ce processus plusieurs fois et vous arriverez à récupérer le poisson au bout d'un moment. Vous pouvez également tomber sur des poissons trophées. Ils sont plus gros, donc plus durs à remonter, mais qui rapportent plus d'argent. Et en parlant de plus d'argent, est-ce que vous vous souvenez du petit coin cuisine qui se trouvait sur votre bateau? Eh bien, il va enfin pouvoir vous servir. Car il est possible dans Sea of Thieves de faire cuire toute la viande et tous les poissons, même le mégalodon et le kraken. Chaque viande a une durée de cuisson différente, allant d'une trentaine de secondes à une ou deux minutes maximum. Surveillez bien votre cuisson, car si vous attendez trop longtemps, votre viande sera cramée et il ne vaudra plus rien. Pour faire cuire votre viande, vous trouverez aussi des petits feux de camp sur les îles et les avant-postes. Il suffit de mettre un peu de bois et d'allumer le feu à l'aide de votre lanterne pour pouvoir lancer votre cuisson. Ça peut vous aider si vous avez beaucoup de viande à cuire. Attention tout de même, car cela génère pas mal de fumée, donc vous pouvez être repéré d'assez loin. Cuire sa viande présente deux avantages. Le premier, c'est qu'il vous rapportera plus d'argent lors de la vente sur les Sea Post. Le deuxième est que manger de la viande cuite, comme les fruits, vous fait récupérer de la vie. Mais pas que, car ça permet aussi de remplir une barre de régène. Celle-ci se trouve au niveau de votre vie et apparaît sous la forme d'un cercle qui se remplit. Donc attention, ça ne donne pas de la vie en plus, mais si vous subissez des dégâts et que vous attendez quelques secondes, la barre de régène se videra pour restaurer votre barre de vie. Donc cela évite de manger un fruit pour reprendre un petit peu de vie. Comme les ananas, la viande ou le poisson se mange en deux fois, ce qui donne un petit avantage car cela évite de se retrouver sans nourriture trop vite. Chaque type de viande ne donne pas la même quantité de régène. Les meilleures viandes sont celles qui sont les plus longues à cuire, donc le mégalodon et le kraken. Et voici également un petit tableau récapitulatif de tout ça. Je mets aussi en description, vous inquiétez pas. Voilà pour la faction de l'appel du chasseur. On l'a dit en début de vidéo, il n'y a pas vraiment de but du jeu dans Sea of Thieves. Mais il y a tout de même un objectif à atteindre, devenir pirate légende. Pour cela, il vous faudra atteindre le niveau 50 dans 3 factions différentes. Une fois pirate légende, vous aurez alors accès à la taverne des légendes située sous la taverne de chaque avant-poste. La porte secrète s'ouvre en jouant juste un petit air de musique. Vous découvrirez alors de nouveaux personnages et vous pourrez parler avec le seigneur de la piraterie. C'est à lui que vous pourrez acheter des quêtes Athéna qui vous donneront du loot Athéna et qui vous feront monter en niveau de réputation dans la société de la fortune d'Athéna. Le niveau max de la réputation Athéna est de 30 actuellement, il vous faudra pas mal de temps pour y arriver. A chaque niveau, ou presque, vous débloquerez des nouveaux skins et des nouvelles récompenses. D'ailleurs oui, quand on dit loot Athéna ou loot de légende, c'est la même chose, c'est juste une habitude. Sachez quand même que le loot Athéna est le plus rare et donc le plus convoité du jeu. Chaque quête Athéna vous donnera à la fin un coffre Athéna qui est le coffre le plus emblématique du jeu. Pas forcément celui qui vaut le plus cher, mais c'est le plus emblématique. Il existe pour le moment 3 quêtes Athéna différentes. Il y a les quêtes classiques, c'est un mélange des 3 quêtes des collectionneurs d'or, marchands et hors des âmes. C'est une quête assez longue, mais qui peut être rentable. La quête du contrebandier de Seavehaven. C'est une quête où vous devrez faire pas mal d'allers-retours entre l'île de Seavehaven et d'autres îles aux alentours. Le tout en résolvant des énigmes. Et enfin, la quête de légende du voile. Donc c'est la meilleure des quêtes Athéna, très variée et pas trop longue à faire. Méfiez-vous par contre, car à la fin de la quête, une grande tornade bleue sera visible de tout le serveur, ce qui peut attirer pas mal de monde pour tenter de vous voler vos coffres. Dans la taverne légende, vous trouverez plusieurs boutiques et vous pourrez vous acheter des skins Athéna pour indiquer à tous que vous avez atteint le statut de pirate légende.
Par contre, il n'est pas nécessaire de rentrer dans la taverne légende pour vendre votre loot Athéna. Il se vend directement à la personne mystérieuse adossée au fond de la taverne classique. Peut-être que vous commencez à vous dire « Ok, c'est bien beau tout ça, mais y a-t-il une histoire, un lore dans Sea of Thieves ?» Eh bien la réponse est oui. Depuis sa sortie, Sea of Thieves a très bien développé son univers et continue de le faire. Et il existe en plus plusieurs quêtes scénarisées, appelées les Fables de Flibustier, qui vous permettent d'en apprendre un peu plus sur cet univers. Vous croiserez pas mal de personnages des avant-postes, des îles, etc. dans ces histoires, et vous verrez qu'il y a une sorte de bien contre le mal en trame de fond. D'un côté, nous avons le seigneur de la piraterie, que nous retrouvons dans la Taverne des Légendes, et qui est accompagné de nombreux alliés, et de l'autre, nous avons le terrible Flameheart, qui tente de mettre son emprise sur les mers de Sea of Thieves. C'est à lui qu'obéissent les fameux Ashen Lords que l'on peut trouver sur les Tornades Rouges ou sur les Forts de Fortune. Ces fables vont donc vous emmener dans plusieurs endroits du jeu et intégrer des mécaniques nouvelles, avec des énigmes différentes, des pièges, de la plateforme, un peu à la Tomb Raider parfois. Il existe 11 fables pour le moment. Au début, vous n'aurez accès qu'à la première, et vous déverrouillerez les autres au fur et à mesure. Ça ne sert de toute façon à rien de faire les fables dans le désordre, car il y a une sorte de fil conducteur. Pour savoir comment et où se rendre pour commencer une fable, il vous suffit de regarder la carte de votre navire. Vous y verrez des icônes sur certaines îles. Elles indiquent qu'une fable peut se commencer ici. Si vous voyez plusieurs fois le même symbole, cela signifie qu'une même fable peut être commencée à plusieurs endroits. Une taverne dans un avant-poste, par exemple. Une fois sur place, vous trouverez un livre avec le titre de la fable. Il vous suffit de voter pour la commencer. Une fable peut durer jusqu'à 2 heures. Mais pas de panique, un système de sauvegarde existe. Si vous n'avez pas le temps de finir votre fable, à votre prochaine connexion, vous pourrez aller dans l'inventaire de vos quêtes, sur l'onglet sauvegarde et voter pour reprendre là où vous êtes arrêté. Tout pratique. Je vous conseille vraiment de faire ces fables si vous commencez le jeu. Cela vous familiarisera avec toutes les mécaniques et vous serez plongé au cœur de l'univers de Sea of Thieves. En terminant les fables, vous gagnerez un petit peu d'or, pas énorme, et quelques récompenses également. Tout ce qui concerne les fables se retrouve dans le menu Fables de Flibustier. Et pour les amoureux de Pirates des Caraïbes, sachez qu'un partenariat a été réalisé entre Disney et Sea of Thieves, et cela a débouché sur 5 autres fables en lien avec l'univers de Jack Sparrow. Vous serez donc plongé dans 5 scénarios inédits mêlant Pirates des Caraïbes et Sea of Thieves. Vous y retrouverez tous les personnages connus comme Davy Jones ainsi que le Black Pearl ou le Hollandais volant. Plutôt cool. Rien qu'avec les 16 fables qu'on vient de voir, vous avez au moins 30 heures de jeu devant vous. C'est déjà quand même pas mal. Et comme on parle de Jack Sparrow, c'est une transition parfaite pour vous parler d'un autre bâtiment sur les avant-postes. Il s'agit de la boutique Emporium. Donc comme on l'a vu, c'est plutôt cool de se balader à côté de Jack Sparrow. Mais ce serait encore plus cool d'obtenir son skin pour vous balader sur les mers, comme si vous étiez le capitaine du Black Pearl. Eh bien, la boutique Emporium, qui se trouve au-dessus du bâtiment de l'Ordre des Âmes, est une boutique de skins en fait. Pour votre pirate, votre bateau, vos armes ou vos objets. Vous trouverez plein de belles choses dedans. Le seul problème, c'est que rien n'est achetable avec vos pièces d'or ou vos doublons. Ici, la monnaie s'appelle les pièces anciennes. Et vous le voyez arriver à des kilomètres, mais les pièces anciennes s'obtiennent principalement avec de l'argent réel. Vous devrez donc passer à la caisse pour vous offrir les plus beaux skins du Black Pearl. Et c'est parfois assez cher quand même. On parle de quasiment 20€ le skin, c'est pas donné. Il existe cependant un autre moyen d'obtenir quelques pièces anciennes gratuitement. Quand vous vous baladez sur une île de Sea of Thieves, à tout moment, vous pouvez entendre cette musique. Cela signifie qu'un squelette ancien est en train d'apparaître près de vous. Il tentera de s'enfuir et vous devrez le tuer avant qu'il ne disparaisse sous terre. Si vous réussissez à le tuer, il vous rapportera à vous et à votre équipage un montant de quelques centaines de pièces anciennes. L'apparition d'un squelette ancien reste quand même assez rare. Mais si vous êtes patient, vous pourrez vous acheter quelques skins dans la boutique Emporium sans débourser un seul euro. Bon courage et bonne chance! Dans la boutique Emporium, vous pourrez aussi obtenir des items exclusifs que vous ne trouverez pas ailleurs, comme les animaux de compagnie, aussi appelés les familiers, les perroquets, les singes, les chiens, les chats et les renards. Et oui, vous pourrez vous balader sur les mers accompagnés de vos petits animaux de compagnie, interagir avec, etc. Ils réagiront également à ce qui se passe autour d'eux. Si vous vous faites attaquer, ils gémiront et iront se cacher par exemple. Ils réagiront aussi à la musique, à la danse, etc. Quand vous aurez acheté un animal de compagnie, il vous suffira de vous rendre sur votre coffre de familier pour sortir ou ranger votre animal. Vous pourrez bien sûr aussi lui donner un nom. Chaque catégorie d'animal possède plusieurs espèces et plusieurs skins. Et vous pourrez en plus acheter des vêtements pour les personnaliser à votre goût. Bref, les amoureux des animaux seront ravis. Mais bon, sachez qu'en soi, c'est juste décoratif et ils ne sont pas utiles pour les quêtes ou autres. Pour en finir avec la boutique Emporium, c'est aussi là que vous pourrez acheter une potion de changement d'apparence. Si le skin de pirate que vous avez sélectionné au début du jeu ne vous plaît plus, vous pourrez acheter cette potion contre quelques pièces anciennes qui vous refera passer par la génération aléatoire de pirates. Vous pouvez acheter autant de potions d'apparence que vous voulez. Nous avons un peu parlé de Flameheart tout à l'heure, via les fables du jeu. On l'a dit, c'est le grand méchant qui veut s'emparer des mers de Sea of Thieves. Et si vous êtes plutôt du genre à aimer le côté obscur, vous pourrez vous battre pour Flameheart.
Rappelez-vous, en début de vidéo, nous avons présenté les différentes sociétés du jeu. Et nous n'avons pas encore parlé des Eaux de la Faucheuse, ou Reaper Bones en anglais. La faction des Eaux de la Faucheuse est donc une société qui est contre les autres et notamment contre le seigneur de la piraterie. Et donc, contre les pirates légendes. Et qui dit opposition dit combat. Et qui dit combat dit PVP. Et oui, le PVP est fortement encouragé si vous choisissez de jouer pour les Reapers. La traque de bateaux des autres sociétés va devenir votre priorité. Et pour valoriser tout cela, laissez-moi vous introduire une autre mécanique du jeu, le système d'émissaire. Alors être émissaire c'est quoi et à quoi ça sert? Vous pouvez décider de devenir émissaire pour n'importe quelle société, sauf pour l'appel du chasseur. Pour devenir émissaire, il vous suffit de vous rendre à côté du PNJ de la société que vous voulez représenter, et de voter sur la table à côté de lui. Être émissaire vous permet d'obtenir des bonus d'or et de réputation dans la société que vous représentez. Au départ, vous serez émissaire de rang 1. En réalisant différentes actions du jeu, comme récupérer du loot, tuer des mégalodons, tuer des bateaux squelettes. De même, votre rang d'émissaire ne progressera que quand vous récupérez les loots de la bonne société. Votre rang grimpera jusqu'au niveau 5 maximum. A chaque niveau, votre bonus d'or et de réputation grandira. Et au niveau 5, le bonus qui s'applique à votre loot est de x2,5. C'est-à-dire qu'un coffre qui vaut 10 000 pièces d'or sans émissaire vous rapportera 10 000 pièces d'or plus 25 000 pièces d'or de bonus. De quoi progresser beaucoup plus vite dans les différentes factions et atteindre le statut pirate légende encore plus rapidement. Et si vous atteignez le rang 5, vous obtiendrez en plus une quête spéciale pour la société que vous représentez. Petite précision tout de même, si vous êtes émissaire par exemple chez l'Ordre des âmes, le bonus ne s'appliquera qu'aux loot qui se vendent aux Ordres des âmes, donc les crânes principalement. Les loot que vous récupérerez qui ne se vendent pas aux Ordres des âmes n'auront pas de bonus quand vous les vendrez. Dès que vous serez émissaire, deux nouveaux drapeaux seront visibles sur votre bateau, sur le mât principal et à l'arrière. Un nouvel indicateur apparaît également au-dessus de votre barre de vie. Il s'agit de votre rang d'émissaire. Votre rang d'émissaire est visible sur ces drapeaux et sur votre indicateur. Vous pouvez à tout moment savoir où vous en êtes. Sachez aussi que vous pouvez arrêter d'être émissaire à tout moment. Il suffit pour cela de revoter à la même table pour baisser votre drapeau d'émissaire. Cela vous rapportera un peu de pièces d'or en fonction de votre rang. Baisser un drapeau de niveau 5 rapporte 5000 pièces d'or. Vous pourrez ensuite choisir si vous voulez de représenter une autre société en tant qu'émissaire ou de reprendre la même. Mais du coup, les autres joueurs que vous croiserez sauront aussi que vous êtes émissaire et connaîtront votre rang. Vous vous souvenez des Eaux de la Faucheuse? Eh bien, vous pouvez être émissaire de cette faction également. Et pour monter de rang dans cette faction, il faut voler du loot à d'autres émissaires ou tuer des joueurs émissaires. Le but des Eaux de la Faucheuse est donc de chercher à couler les autres navires émissaires pour faire monter leur propre rang. Cependant, dès qu'un joueur du serveur devient émissaire Reaper, la position de son bateau sera à tout moment marquée sur la carte. Les autres joueurs peuvent donc surveiller si un bateau Reaper potentiellement dangereux se rapproche d'eux ou non. C'est quelque chose à surveiller régulièrement. Vous pourrez alors agir en conséquence et pourquoi pas vendre votre loot si vous avez peur de le perdre. Mais pour les Eaux de la Faucheuse, couler un navire émissaire peut rapporter gros, même si aucun loot n'est à bord. Car une fois le navire coulé, le drapeau émissaire remontera à la surface pour être ramassé et être vendu. Plus un drapeau émissaire est haut gradé, et plus il vaut cher. Par exemple, vendre un drapeau de niveau 5 en étant vous-même Reaper niveau 5 rapporte environ 25 000 pièces d'or. Contrairement aux autres sociétés qui ont des représentants sur chaque avant-poste, à qui vous pouvez vendre vos loot, les Eaux de la Faucheuse ne peuvent vendre qu'à un seul endroit sur la map, sur l'île du Reaper Hideout. L'ambiance y est très lugubre et on adore. L'avantage des Eaux de la Faucheuse est que vous pouvez vendre absolument tous les loots du jeu. Pas besoin de trier, tout se vend. Et si vous êtes émissaire, le bonus s'applique à tous les loots, de quoi se faire rapidement de l'argent. Atteindre le niveau 50 chez les Eaux de la Faucheuse fonctionne également pour passer pirate légende. Être émissaire de rang 5 chez les Eaux de la Faucheuse ne vous donne pas de quête supplémentaire. Par contre, cela vous donne accès à la position en temps réel de tous les autres émissaires du serveur sur votre carte du navire. De quoi faciliter grandement la tâche. Mais vous serez toujours visible des autres joueurs car vous êtes émissaire Reaper. Si un émissaire Reaper arrive pour vous attaquer, ne tentez pas de fuir, car la meilleure défense est l'attaque. Et si vous coulez un bateau émissaire Reaper, vous pouvez également récupérer son drapeau pour le vendre soit au Reaper Hideout, soit au mystérieux inconnu dans n'importe quelle taverne d'un avant-poste. Cela fera monter votre réputation Athéna. Les drapeaux d'émissaire Reaper sont les seuls qui peuvent être vendus au mystérieux inconnu. Tous les autres se vendent au Reaper Hideout. Quand vous vendez du loot en tant qu'émissaire d'une faction, vous verrez une valeur émissaire augmentée. À la fin de chaque mois, les joueurs sont classés en fonction de cette valeur émissaire et peuvent gagner des récompenses selon leur place dans ce classement. Vous pouvez à tout moment voir où vous vous situez dans ce classement, dans l'onglet Journal Pirate, Réputation, la société que vous voulez voir et Carnet d'émissaire. Vous aurez aussi un aperçu des récompenses que vous pouvez débloquer et de la valeur d'émissaire à atteindre pour le débloquer.
Si vous voulez la récompense du palier supérieur, vous devrez alors vendre plus de loot pour remonter dans le classement. Vous pouvez bien sûr monter la valeur émissaire de plusieurs factions pour tenter de récupérer plusieurs récompenses. Les valeurs d'émissaires sont réinitialisées chaque début de mois. Voilà pour la partie sur les émissaires, un bon moyen de se faire plus d'argent, mais vous devenez une cible privilégiée pour les eaux de la faucheuse. Mais on n'a pas tout à fait fini de parler du PVP, car au mois de novembre 2022, Rare a sorti sa dernière grosse mise à jour, qui est focalisée sur ce PVP. Au programme, l'ajout de deux nouvelles factions que nous avons évoquées un peu plus tôt, les serviteurs de la flamme, et les gardiens de la fortune Athéna. Avec cette saison 8 et ses nouvelles factions, Rare a encore plus accentué l'opposition entre Flameheart et le seigneur de la piraterie. Les joueurs peuvent donc choisir de représenter une des deux factions et de partir combattre l'autre afin de monter de niveau. L'ajout majeur de cette mise à jour est le concept d'envahissement de serveur, c'est-à-dire que les joueurs vont pouvoir trouver un navire de la faction opposée à combattre en quelques minutes en se rendant sur le serveur où il se trouve. Pour cela, il suffit de choisir la faction pour qui vous voulez combattre sur votre table de quête, via le sablier du destin. Une fois sélectionné, vous pouvez soit effectuer vos quêtes habituelles en attendant de vous faire envahir par un adversaire, soit décider de voter sur la carte de guerre, à nouveau sur votre table de quête, pour passer à l'offensive et trouver un adversaire. Votre bateau plongera alors sous l'eau, le temps que le matchmaking fasse son travail. Le matchmaking vous cherchera un navire similaire au vôtre, et avec le même nombre de joueurs à son bord. Une fois un adversaire trouvé, vous vous retrouverez sur son serveur, face à lui, prêt à engager le combat. En coulant un navire de la faction opposée à la vôtre, votre sablier du destin gagnera en valeur et vous augmenterez également votre nombre de bateaux coulés à la suite. Plus vous coulerez de bateaux, plus votre sablier se remplira. Quand vous aurez coulé 4 navires à la suite, vous obtiendrez le statut de champion de faction. Vous serez alors marqué sur la carte, un peu comme les émissaires Reaper. Vous serez la cible à abattre. En tant que champion de faction, vous pourrez également choisir d'affronter un navire plus gros que le vôtre. Pour la gloire et le challenge! Vous pouvez à tout moment choisir de revendre votre sablier à n'importe quel avant-poste. Soit dans la taverne pour les gardiens de la fortune d'Athéna, soit près de l'hôtel de Reaper pour les serviteurs de la flamme. Les serviteurs de la flamme peuvent également se rendre au Reaper Hideout pour revendre leur sablier. Il est bien sûr possible de cumuler et de représenter une faction PVP avec un drapeau d'émissaire. Si vous êtes émissaire de niveau 5 et que vous voulez vendre le contenu de votre sablier, le bonus d'émissaire s'appliquera également. Un bon moyen de progresser encore plus vite dans ces nouvelles factions. Contrairement aux autres sociétés, il n'y a pas de limite de niveau de réputation. Quand vous serez niveau 100, cela vous donnera accès à de nouvelles zones pour les Reapers ou pour les Athéna. La taverne pirate légende a été agrandie avec de nouveaux personnages et des récompenses à récupérer. Tandis que chez les Reapers, la trappe sur le Reaper Hideout pourra enfin s'ouvrir et vous pourrez descendre dans les profondeurs de l'île. Vous pourrez également obtenir une apparence fantomatique ou squelettique selon les factions. Des apparences plutôt stylées. Il est bien sûr possible de progresser dans les deux factions indépendamment et d'obtenir toutes les récompenses. Pour un peu plus de détails sur cette saison 8 axée sur le PVP, j'ai fait une petite vidéo dédiée que vous pourrez retrouver sur la petite fiche qui s'affiche. Ne vous inquiétez pas, on approche de la fin de la vidéo, ça en fait quand même pas mal du contenu. Et pour ceux qui aiment un peu plus le roleplay, ce dont nous allons parler maintenant risque de vous intéresser. Il est en effet possible d'acheter son propre navire afin d'en devenir le capitaine. Vous allez me dire à quoi ça sert, car je peux déjà avoir des bateaux gratuitement. Eh bien, acheter un navire vous donne beaucoup d'avantages que nous allons voir maintenant. Premièrement, déjà un bel avantage, c'est que vous allez pouvoir nommer votre bateau. Le nombre de caractères est limité à 20, mais c'est déjà pas mal. Le nom de votre bateau sera visible à deux endroits. À l'arrière du bateau, et proche de la barre, ou au niveau de la cabine du capitaine selon les bateaux. Et ce qui est encore plus cool, c'est que si vous croisez un navire de capitaine et que vous le regardez à travers votre longue vue, le nom du bateau ainsi que le nom du capitaine apparaîtront sur un bandeau. De quoi reconnaître un bateau que vous avez déjà croisé facilement. Au-delà de pouvoir nommer son bateau, être capitaine vous permet également de faciliter votre chargement de ressources, mais aussi la vente de vos trésors. Pour les ressources, si vous allez voir la charpentière, vous aurez accès à une nouvelle ligne vous permettant d'acheter des ressources supplémentaires pour votre séjour sur les mers. Vous pourrez acheter des boulets, des planches, des boulets de chaos et de feu, des fruits, dont des mangues et des ananas, et de la viande à cuire. De quoi bien commencer votre aventure. Cela vous coûtera un peu d'argent, mais ça vaut le coup. Vous ne pourrez pas en abuser non plus, car c'est un achat tous les 3 jours de jeu. Pour la vente des loots, nous allons parler d'un bâtiment que nous n'avons pas encore évoqué, les barons. Vous les reconnaîtrez facilement sur les avant-postes, car ce sont les bâtiments avec un grand mât et avec une tente en dessous, située sur un ponton. Les barons vous seront très utiles, car vous pourrez leur vendre n'importe quel type de coffre, crâne, coffre, caisse de marchand, loot Athéna, et ils se chargeront de les vendre à la bonne faction. Cela vous rapportera autant d'or et autant de réputation que si vous les vendiez à la bonne personne. Plutôt pratique donc.
Et pour aller encore plus vite, vous retrouverez un harpon en haut du mât ainsi qu'une sorte de monte-charge, ce qui vous permettra de décharger votre bateau encore plus vite pour les vendre au baron. La seule contrainte est qu'il faut être capitaine, ou être un joueur d'un équipage de capitaine pour vendre les loots au baron. Si vous n'avez pas encore acheté de navire, les barons n'achèteront pas vos loots et vous devrez les vendre directement aux représentants des sociétés. En tant que capitaine d'un navire, vos actions sur le jeu vous feront gagner des jalons, que ce soit simplement naviguer, cuire de la viande, jouer de la musique, canonner, etc. Il existe plusieurs catégories dans lesquelles vous gagnerez des jalons. Une fois un certain nombre de jalons atteints, vous débloquerez des éléments de décoration pour votre navire. Être capitaine vous permet donc aussi de personnaliser l'intérieur de votre navire selon vos goûts. Vous avez également accès à des voyages de capitaine chez la charpentière, qui vous permet également de déverrouiller des récompenses pour votre bateau. Pour les pirates qui aiment bien les stats, vous trouverez également votre journal de capitaine sur votre table de quête. Vous pourrez ainsi savoir combien d'or vous avez gagné, depuis combien de jours vous naviguez, etc. Si vous coulez un autre navire de capitaine, vous récupérez également son journal et vous pourrez consulter ses activités. Vous pourrez également le vendre au Reaper Hideout contre de l'or. Voilà donc pour la partie sur la capitainerie, un bon ajout de la saison 7 qui était réclamé depuis longtemps par les joueurs. Et on va enfin finir cette vidéo en présentant quelques coffres ou objets un peu spéciaux dont on n'a pas encore parlé, mais que vous croiserez certainement lors de vos aventures. Alors, il y a le coffre de la faucheuse. Si vous voyez un grand faisceau rouge et bleu, cela signifie qu'un coffre de la faucheuse est apparu dans une épave. Si vous regardez votre map, vous verrez que ce coffre est marqué à tout moment par une tête de mort rouge. Si vous décidez de le prendre avec vous, les autres équipages sauront que vous avez ce coffre à bord. Le faisceau disparaîtra dès que vous récupérez le coffre dans l'épave. Le coffre ne se vend qu'au Reaper Hideout et vous rapportera 25 doublons. Ensuite vient la prime de la mort. C'est exactement le même principe que le coffre de la faucheuse, sauf que le faisceau lumineux est jaune et or, et que le symbole sur la carte est une petite tête de mort jaune. Ce coffre se vend uniquement au Reaper Hideout pour 10 000 pièces d'or. Ensuite on trouve le coffre du chagrin, ou pleureuse pour les intimes. Ce coffre vaut environ 8 000 pièces d'or, mais a la particularité de se mettre à pleurer, et quand c'est le cas, votre bateau se remplira d'eau. Ne laissez donc pas un coffre du chagrin sur votre bateau pendant que vous êtes sur une île, car il peut le faire couler. Le coffre de Grog. Rien de méchant avec ce coffre, si ce n'est qu'il vous rendra ivre mort dès que vous l'aurez en main. Pas facile donc de se diriger avec, mais il se vend pour environ 8 000 pièces d'or également. Le coffre de rage. Un peu le même principe que le coffre du chagrin, sauf que celui-ci se mettra à exploser et propagera du feu sur votre navire. Pour éviter cela, pensez à le refroidir quand il commence à monter en pression en lui envoyant de l'eau avec votre seau. Il se vend aussi pour 8 000 pièces d'or. Le trident. Vous tomberez régulièrement sur des tridents dans le jeu. Il s'agit d'une arme que possèdent certaines sirènes lorsqu'elles vous attaquent. Il peut envoyer des sortes de bulles ondes de choc selon 3 niveaux de charge. Il est très efficace contre les boss en général. On retrouve aussi les barils explosifs ou kegs. Comme son nom l'indique, ce sont des barils qui peuvent exploser. Incroyable! Soit en allumant la mèche, ce qui vous laissera le temps de vous éloigner, soit en tirant dessus ou encore en lui mettant le feu. Son explosion est assez violente et fait des trous dans la coque du bateau. Il peut aussi casser les mâts s'il est à proximité. En plus de ça, il mettra le feu autour de lui. Si vous allumez la mèche par mégarde, vous pouvez aussi l'éteindre, cela peut éviter les fausses manips. C'est une arme très efficace en PVP à ne pas négliger. Si un baril explosif fait mal, il existe une version encore plus violente. Le baril de place forte, ou le méga keg. C'est un baril explosif avec une explosion deux fois plus balèze. Autant dire que c'est chaud de sauver son bateau si un méga keg explose dessus. Le méga keg existe aussi en version Athéna, mais ils ont à peu près la même puissance. Les barils explosifs se trouvent un peu partout, et principalement sur les forts squelettes. Un petit conseil quand même, si vous prenez un baril sur votre bateau, mettez-le dans le nid de pie, car si vous le laissez dans votre cale, ça peut être très fatal pour votre bateau s'il explose. Il y a ensuite les feux d'artifice. Vous trouverez souvent dans des tonneaux différents types de feux d'artifice. Chargez-les dans les canons et allumez la mèche pour les envoyer dans le ciel. Ça ne sert pas à grand chose, mais c'est stylé, donc on valide. Et enfin, on va parler des gemmes de sirène. Vous trouverez de temps en temps des pierres de sirène de couleurs différentes. Il en existe 3 types. Les vertes, les bleues et les rouges. Elles peuvent se vendre chez n'importe quelle société. C'est donc un bon moyen pour progresser plus vite et l'appel du chasseur par exemple, qui n'accepte en général que la viande et le poisson. Vous croiserez aussi de temps en temps des statues de sirènes sous l'eau ou près des îles. Si vous les détruisez, elles vous donneront une gemme de la couleur de la statue. Attention quand même, car elles vous infligeront des dégâts. Les statues de sirènes rouges sont les plus difficiles à détruire, et vous devrez vous y mettre à plusieurs pour en venir à bout. Et voilà pour cette petite vidéo de contenu Sea of Thieves en début 2023. Bon, c'est sûr, j'ai pas parlé de tout, c'est impossible de tout lister, c'est déjà très long comme vidéo. Mais j'espère que vous vous y retrouverez un petit peu plus quand même. C'est vrai que ça fait pas mal de contenu et d'informations à assimiler. Tout ce que je peux vous dire, c'est essayer, tenter l'aventure.
Surtout avec des potes, c'est encore plus fun. Et si jamais vous cherchez des joueurs, il existe plein de Discord différents sur Sea of Thieves France. Notre petit Discord à nous aussi, on a une petite communauté sympathique. Donc n'hésitez pas, et si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires aussi. Si ça vous plaît, on a plein de vidéos sur Sea of Thieves, sur YouTube, on est aussi en live sur Twitch. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à checker la description, etc. Et sur ce, à la prochaine. Bisous à tous.